Salut à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour la suite de notre carrière à La Roche Vendée Foot, où on vise toujours la montée en Ligue 1. Mais là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, je vous le dis tout de suite dans le vif du sujet, c'est le déplacement à Locminé pour le 9e tour de la Coupe de France. Alors oui, on a été plutôt bien en Coupe de France, bon parcours. On a créé l'exploit face à Amiens lors du tour précédent. Maintenant, il faut confirmer face à ce club de National 3. Et bah, se frayer un chemin jusqu'au 10e tour, un synonyme des 16e de finale, il me semble. Et ce serait déjà une belle chose. Allez, il devrait pas non plus, voilà, on ne devrait pas non plus avoir peur de cet adversaire. Ensuite, on aura 2 semaines de repos pour tranquillement se remettre avant de reprendre le championnat avec 2 matchs qui nous attendent. Il faudra impérativement retrouver le chemin de la victoire puisqu'on a terminé la vidéo d'hier sur un match nul. Match nul qui nous embête un petit peu puisque cela a permis à nos deux rivaux pour le titre de repasser devant nous d'un point seulement, mais repasser devant nous tout de même. Alors, ok, écoutez, ça va être l'équipe type, hein. De toute façon, on ne va pas y aller par quatre chemins, c'est l'équipe type et c'est parti. Le vif du sujet, tout de suite, let's go. J'espère que vous êtes prêts, que vous avez attaché vos ceintures, que vous avez sorti vos petits calepins pour prendre des notes. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si jamais ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Hein, ça coûte rien, c'est un petit clic et moi, ça m'aide énormément. Ça permet aussi bah, voilà, de faire grandir la chaîne. Et puis, n'hésitez pas à partager, commenter, à mettre un petit pouce bleu. Allez, c'est parti. Trêve de bavardage, on rentre dans le vif du sujet alors qu'on voit que Marseille hein, a perdu. Attention. Corner tout de suite, c'est repoussé. Buaillon qui redonne à Quentin Bonnet. Dès le début de match, c'est bien, on est là. On se montre dangereux. Bello qui écarte sur Marie. Il la frappe! Oh Romuald! Romu! Oh la dinguerie! Oh bah ça fait 1-0. Dinguerie, hein. Frappe. Frappe pure! Frappe instantanée. Bello qui décale Marie. Contre-pied gauche, boum! Il ne laisse pas le temps au ballon de retomber au sol. Il la frappe comme elle vient. Ça fait 1-0 et c'est parfait comme entame de match. Et on a vécu des émotions folles, hein, on le sait. On a vécu des émotions folles. En Coupe de France, ça restera comme déjà un très bon souvenir de cette carrière, peu importe de quoi la suite sera faite. C'est déjà extraordinaire ce qu'on a vécu face à Amiens. Et même si notre parcours devait s'arrêter là, puisqu'on prend un but par Wilfried Eban. Même si le parcours devait s'arrêter là, bah écoutez, je serais quand même extrêmement satisfait d'avoir. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Il faut qu'on tienne notre rang face aux équipes inférieures. Et après, voilà, si l'occasion se présente, pourquoi pas faire un exploit face à une équipe bah, de division supérieure. C'est ce qu'on a fait. Bon, maintenant, on joue face à une équipe abordable. Donc, à nous de faire le travail. Et puis d'aller chercher une affiche, pourquoi pas une belle affiche hein, pour la suite de la compète. Allez, Baboussey, il faut tout de suite. Hein, oublier ce qui vient de se passer. Buaillon. Ah, l'appel de Dabin, il était un peu seul. Entouré par 4 défenseurs. Bonnet. Ah, le stade est complètement vide ici. Il s'est repoussé. Allez, faut y être, faut y être, faut y être. Oui, Ziani. Sacha Ziani pour Babousseï. En retrait, Sacha Ziani qui écarte sur Buaillon. Oh, la frappe à ras de terre. Enroulée de Buaillon. Oh, elle est belle celle-là. Oh oui, qu'elle est belle. Superbe. But de Buaillon, extraordinaire Jason. Allez, on prend l'avantage de Buzyn, c'est parfait. Ah, Marseille qui s'est fait punir par Andrézieux. Andrézieux. Et Nice qui a eu chaud, hein, qui est passé au pénalty. Bordeaux qui passe, Lyon qui est passé. Monaco également. Face à Saint-Étienne. Bon. Le match se déroule tranquillement et il se passe pas énormément de choses. Hein. J'ai l'impression que on a vraiment du mal avec la possession hein, cette saison. Je sais pas ce qu'il faudrait faire peut-être pour avoir un peu plus de ballon. Parce que bon. Pas terrible quand même. Allez, Buaillon. Dans la profondeur pour Keita. Il est passé Keita. Il est dans la surface. Oui, monsieur l'arbitre. Oui, monsieur l'arbitre. Intervention un petit peu limite du défenseur et ça fait pénalty. Axel Dabin pour le frapper. Ah, ça fait déjà plusieurs fois hein, qu'il rate ses pénaltys, Axel. Corner. Allez, rattrape-toi, mon petit.
La tête peut-être de quelqu'un au premier poteau, non, c'est repoussé. Ça va revenir avec Babousseï, on est bien au second ballon. Ah, tous les joueurs adverses sont dans la surface là. Hein. Il le plie, il plie. Romu. Romu, faut centrer. Daoudou qui se saisit de la balle. Allez, mi-temps, 2-1, c'est. C'est pas fini, hein. Rien n'est fait encore, attention, on est à portée de tir des adversaires. Je vais en demander un petit peu plus parce que ce qu'on produit, c'est clairement pas suffisant. Hein. Ziani est pas content parce qu'il fait quand même un bon match, lui, de son côté. Et 31% de possession, c'est faible, hein, contre des équipes qui sont censées être moins fortes que nous. J'espère que ça ne nous portera pas préjudice. Allez, ouais, par contre, on est en train de reprendre l'ascendant au niveau des occasions, là, c'est beaucoup mieux. Tranquille, pas de pression. Babousseï qui va envoyer loin devant un ballon pour qui? Pour personne. Pour Kemar. Qui va décaler sur le côté. Et ça revient dans l'axe avec Benamara. Bila. Danso. Le petit lob au-dessus. De toute façon, je crois qu'il y avait en jeu. Semble bien. Allez. 76e. J'ai pas fait de changement. On va peut-être les faire. Hein. Bonnet, on va éviter le carton rouge. Ezaïtouni. Paliares. Vous en avez l'habitude, hein, les changements classico-classiques. Babousseï, on va redonner un peu de temps de jeu à Matisse Vrignon. Et ce sera bon pour les changements. Allez, corner pour se mettre peut-être à l'abri définitivement. Daoudou qui s'interpose. Attention, il reste quand même 10 minutes. Et le ballon loin devant, attention parce que Morin est passé. Le Gouélec. Ouh là 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 là. Le gardien Amada qui nous sauve. On s'était fait prendre dans le dos. Corner des Ebané, le buteur. Il va jouer court avec Bila qui redonne à Ebané. Le centre à terre, attention, c'est repoussé un peu en catastrophe. Et on est en train de subir là. On est en train de subir. Et Logminé qui pousse en cette fin de match. Ils jouent leur va-tout. On est en coupe, hein, on le sait. Allez, Banza. La touche pour Buaillon. Et lui aussi a pris un jaune. Mathis Vrignon qui marque son retour d'un but de la tête. Au second poteau sur ce centre de Banza. Let's go. Oh, let's go. 3-1. Et c'est bon, la messe est dite. Encore une fois, on n'aura peut-être pas été ultra, ultra convaincant, mais... Le taf est fait. Ouais, c'est bien joué ça. Le jaillissement de Romu. Allez, la perte de balle de Paliares là qui joue un peu trop facile, un peu trop dilettante. Et attention. On va pas se faire peur en fin de match. Ouh. Voilà, frappasse de Benamara. Frappasse qui nous a mis. C'est terminé. 3 buts 1. Victory. Let's go. Allez, c'est bien les gars. Bon boulot. Bon, bon, bon boulot. On va avancer. On va avancer. C'est parfait. Écoutez, je suis très très content. 40 000 euros, hein, c'est pas rien pour notre club. Parce qu'on voit quand même que notre solde était un peu dans le rouge. 40 000 euros, c'est assez énorme. On les prend avec grand plaisir. Et pourquoi pas passer un tour supplémentaire. Je crois qu'on aura le tirage très bientôt. On va avancer un petit peu jusqu'au tirage, ensuite on se retrouvera pour le match. Hein. On disait, ouais, tirage aujourd'hui. Et ce sera Grenoble. Grenoble Foot 38 qui évolue en Ligue 2. 7ème de Ligue 2. Oh! Alors, s'il y a des très jeunes ici parmi nous, vous ne connaissez peut-être pas cet homme. Le pagayeur Marama Vairua, ex-attaquant de Nantes hein, notamment. Caria, est-ce qu'on peut pas voir l'ensemble? Non. Nice, Lorient, Nancy. Ah, c'est beau, hein. FC Nantes. 111 matchs, 28 buts. Et quand il marquait, il pagayait. On le sait, Marama Vairua. Et ensuite, ouais, c'est vrai qu'il a fait il a fait Nice, Lorient, puis Nancy.
Ah, ça fait plaisir de retrouver Marama Veyrua. En tout cas, Grenoble 7e de Ligue 2. Et du coup, le match qui s'interpose, qui s'intercale, on va encore jouer en coupe. Oh là là. Oh là là, je n'ose imaginer. Si jamais on gagnait. Et on est à domicile. Hein. On est à domicile pour le match de coupe. Le calendrier est fou. Hein. Le calendrier est fou parce qu'on va jouer Grenoble, Avoilchinon et Blois dans la foulée. Alors là, ça change tout, hein. Ça change tout et ça donne une autre saveur à notre saison, en tout cas une autre tournure. Alors que les Herbiers ont fait match nul, hein. Ils étaient à 30 points, donc tant mieux. Oh là là, le président va se retirer. À revendre le club, un investisseur de la région serait très intéressé. Ouais. Alors. Écoutez, c'est parti. La mauvaise nouvelle, c'est que notre ami Quentin Bonnet s'est blessé. Ce sera donc Alexis Banza. Ou alors Jacob. Ouais, Jacob, il est faible, hein. Est-ce que Banza est meilleur que Jacob? Est-ce qu'on peut comparer peut-être? L'impression qu'Alexis Banza est un peu meilleur. Défensivement, en tout cas. Et là, je pense qu'on va plus avoir besoin de défendre que d'attaquer sur ce match. C'est parti. Ah, il faut pas se poser de questions, c'est parti là. Réception de Grenoble. Et la pression monte. Marama Vairua en face. Hein. Et les gars, on l'a déjà fait. Hein. On a battu une équipe de Ligue 2. Alors pourquoi pas recommencer? À la maison. Ah, oh, le stade n'est pas entièrement plein. C'est triste ça. Les gars, venez au stade. On joue contre une Ligue 2 quand même. Allez, s'il vous plaît. Faut qu'on se fasse plaisir. Allez. On sait qu'on va être dominé. Hein. Xantip, il y a quand même des joueurs. Hein. Jacques, Jacob Geno, je ne connais pas. Diarra. Eric. Oh, Tabin. Eric, voilà, ils nous prennent de haut. Ils nous prennent de haut, on peut les surprendre peut-être. C'était bien joué, Axel Dabin, l'opportuniste. Ou dommage. Dommage, dommage. Bah, on voit, ils commencent à avoir que des grosses équipes. Oh là 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 là, quel plaisir. Attention à l'attaque de Sylvestre. Oui, Buaillon, le bon tacle. Allez, Banza. Face à Efekele sur le côté. Allez, faut presser, les gars, faut y aller. Sylvestre, le centre en retrait. Eric, ça tourne autour de notre surface pour l'instant. Chapchat. Jacob Geno. Dia. Ah, c'est bien. On a ressorti un peu le bloc. C'est bien, les gars. C'est bien. Attention à la profondeur tout de même. Ouais, le pressing est bon. Attention, hein, voilà, faut reprendre sa place ici défensivement. À gauche, on l'a vu. Sylvestre. Le décalage est trouvé vers Touraine. Attention, il va pouvoir centrer. Virgilio Postolalchi qui va marquer. Ah non, Thomas Allemand. Ah, Thomas Allemand dépassé sur cette action, on va le voir. Il est là. Ah, il prend bien son marquage, mais là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il n'intervient pas. Il n'intervient pas et ça fait 1-0 pour Grenoble Foot. Aïe, 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 aïe. Allez, c'est pas terminé. On peut se battre. On l'a déjà fait, hein. Corner, peut-être, c'est peut-être maintenant. Buaillon. Ah, c'était frappé fort au premier poteau. Attention, dégagement de Postolacci. Keita. Bon, Emma Keita, vers Ziani. Allemand. Allez, la solution est trouvée avec Banza. Banza. Et Zaitouni. Décalage vers Babousseï. Babousseï qui est passé. Babous, non, mais la frappe d'Asmati. Babousseï, il faut y aller là. C'est pas ta petite sœur au goal. Frappe là-dedans. Oh, c'est dommage, on se procure des belles occasions. Il a étouffé, Babousseï. Il a étouffé. Attention, le lanceur de Touraine. Postolacci. Jarjou. Amada. Amada à l'arrêt. Allez. Voilà les matchs qui nous donnent les émotions, on le sait. Ouf, corner de Sylvestre, allez. Faut être solide. Solide de la tête. Et Zaïtouni, c'est bien. Encore. Pas fini. Oui, Ziani. Allez, peut-être. Non, mais tu dors, frérot. Oh. Allez, mi-temps. Mi-temps, les gars, mi-temps. Allez, continuez sur ce rythme, les gars, on peut le faire. Allez, je crois en vous, les gars, s'il vous plaît. Allez, Axel.
Oui, t'es confiant, mais moi aussi je suis confiant. C'est parti là. Allez, 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 allez. Offensif tout de suite. On joue le tout pour le tout là. C'est maintenant. On veut revenir rapidement dans le match. Buaillon, c'est bien. Voilà le jaillissement. Faut leur faire du mal. Oh oui, la petite passe dans l'intervalle vers Keita. Le centre a raté. Oui, monsieur l'arbitre. Et je fais confiance à Daba. Je lui fais confiance. Mon petit, tu as raté ton dernier penalty, alors je te fais confiance aujourd'hui. Rends-moi cette confiance. Il n'a pas tremblé. Jamais au grand jamais. Axel Dabin. On peut lui faire confiance dans les grands matchs, il est là. Plat du pied, sécurité assurée, ras du poteau et c'est bien joué. C'est bien joué les gars, on peut encore y aller. Allez, allez! On est en train de les dominer. Voilà ce qu'on veut voir. Buaillon le corner, la tête peut-être. Non, c'est repoussé. Banza pour Dabin. Ouh là 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 là. On est en train de retourner le match. Alors peut-être. Alors peut-être. Et Grenoble qui fait des changements. On va y réfléchir aussi. Mais pour l'instant, je vois pas. Je vois pas trop quoi changer. Nos ailiers font pas un super match, mais on le sait, c'est des joueurs qui sont capables sur un geste, sur un coup, de faire la différence. Oui, belle intervention. Attention, le centre. Il est tout seul! Non! Il est tout seul! Mais qu'est-ce qu'ils font, les défenseurs? Bon, bah c'est maintenant, hein, les changements, les gars. Désenchanté, Babousey, bah ouais. Allez, Mylène Farmer, désenchanté, ça dégage. Ouais, c'est tout. On va faire un seul changement pour l'instant. Allez, Buaillon, les Aïtouni. Ziani. Allez, il faut trouver Babousey, peut-être. Babousey, ah, ça se referme vite, hein. Ça se referme bien, milieu de terrain, c'est compact à Grenoble. Ah, la passe est trop molle pour Buaillon. Ah, il s'est récupéré. Il a fait l'effort, Buaillon, c'est bien. Allez, reste 20 minutes pour peut-être rêver à quelque chose. La touche de Banza. Allez, Makeita. Petite passe pour Buaillon. Petite passe pour Ziani. C'est raté. C'est mal donné. Et Postolacci qui conserve bien et qui met son équipe sur les bons rails là pour cette contre-attaque avec Jarjou. Oh, et c'est bien joué. C'est bien joué de la part de Postolacci hein, d'avoir temporisé comme ça le centre second poteau. Oh là 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 là. Et on est en train de prendre l'eau, ça y est. Joseph. Oh, il nous a pété les reins, Joseph, là, sur ce coup. Keita. Ah, Keita, c'est dommage, il avait fait l'effort. Le poteau encore qui nous sauve. C'est pas fini, Xantip, si c'est fini. Remplacement. Ah, nul, Ibrahima Keita, nul. Nul, mais tu vas rester sur le terrain en fait. Hein. J'ai rien à changer. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je vous avoue, j'ai pas envie de faire de changement. En passant très offensif pour les dernières minutes. Et on encourage. Allez, on peut plus faire grand-chose maintenant. Allez, on va faire le changement qu'on nous conseille là. Esmel. Ah oh, non, pas comme ça, pas là-dessus. Un match qu'on aura plutôt bien joué. C'en est fini de notre parcours en coupe. C'est terminé. Fin. Nada. Rideau. Oh, je suis tellement triste parce qu'il y avait la place en plus, c'est ça. On n'a pas été surclassé, quoi. Il y avait la place, c'est dommage. Écoutez, on n'a pas démérité. Bon, en tout cas, on a l'air de faire l'unanimité. Ça, c'est intéressant. Il nous reste un match à jouer aujourd'hui. Avoine Chinon. Et c'est tout de suite là. C'est maintenant. Il faut y aller. Hein. Il va falloir être fort, solide. Ça va être dur physiquement, on le sait. Hein. Enchaîner comme ça. Conférence de presse. Miguel Diaz. Deux matchs à domicile qu'on va enchaîner contre le 13e et 14e. Là, il faut prendre les 3 points à chaque fois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder déjà au niveau de l'équipe ce que ça donne. On a des joueurs fatigués quand même, hein, comme Ibrahima Keïta, mais
Pas grand monde pour le changer. On va faire ça, on va bricoler un truc comme ça. Et Zaitouni, on va mettre Palhares. Meneur de jeu avancé d'attaque. Et là, on va tenter un Jacob. On va tenter un petit Jacob et c'est parti. On se présente pas avec le meilleur 11, mais j'ai confiance en mes joueurs et pourquoi pas faire la différence et faire la surprise. Oh, non, ce serait pas une surprise, mais en tout cas, faire le travail. Allez, c'est un match qu'on doit remporter. Il faut se remettre dedans là en championnat, les gars. On a été un peu irrégulier sur les derniers matchs. On est à domicile, il faut y aller. Il faut y aller. Faut les avoiner. Avoine, faut les avoiner. Et corner de Buaillon tout de suite. Thomas Allemand, deuxième minute à 0. Let's go. Corner, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas marqué sur corner. On est dangereux à chaque fois. Coup franc de Buaillon. Sixième minute. C'était dangereux. Beau coup franc de Buaillon. Allez, la 13e minute. Ah, c'est bien, on domine. Allez, faut mettre un deuxième but. Faut se mettre à l'abri. Hein. Un 4-4-2 en face. On sait qu'on n'aime pas trop le 4-4-2, nous. Bergerac qui mène à 0 également. Pas cool. Ok, Amada, il m'a fait peur, mais c'est bien. Bien rassurant. Et le long ballon. Verdabin devant. Allez, faut être au second ballon. C'est bien, Buaillon. Paillarès, c'est bien aussi. Paillarès qui va trouver Dabin. Qui rejoint en retrait Ziani. Qui redonne à Dabin. Oh là là, complètement raté la frappe de Dabin. Pas non plus s'enflammer, faire n'importe quoi, messieurs. Et cette victoire nous permettrait de repasser devant les Herbiers. Hein, c'est important. Devant le rival vendéen. Sacré frappe hein, de gâche au-dessus. Allez, il faut qu'on pose un peu plus le jeu là. Faut qu'on soit un peu plus maître du ballon. Avec Allemand pour Ziani. Le petit ballon à l'intérieur, c'est bien joué. Palhares qui écarte sur Vrignon. Vrignon qui prend l'aile. Le centre à terre, on sait que ça fonctionne bien chez nous. Sey. Ça va revenir. Buaillon le retrait. Oh, sur le contrôle! Sur le contrôle! Jason Buaillon qui efface son vis-à-vis et qui vient rouler cette frappe. 2-0. Importantissime. Et on met la pression sur. Oh, le contrôle! Le contrôle, mon ami! Et on met la pression sur Bergerac. Hein. C'est comme ça, c'est ça. Il n'y a qu'un 0 là-bas. Hein. Il joue ça privé qui nous avait mis à mal la dernière fois. Jacob, peut-être pour le troisième. Vrignon. Oh là là, Vrignon qui tente sa chance. C'était bien joué, le gardien était sorti. Alors pourquoi pas? On va sortir Buaillon maintenant, hein. Je pense qu'il est cuit. Mi-temps. Mi-temps, allez, c'est bien, c'est parfait. Continuez comme ça, les gars. 2-0, propre, sans bavure. Félicite, hein. Ouais, je félicite, c'est bien, la prestation est bonne. 50-50 la possession, c'est bien ça aussi, hein. Attention, corner de gâche. Comment il a raté ça, Chouzoué? Il était absolument seul face au but. On va faire sortir Ziani également. Hein. Il a besoin de repos. Le jeune Sacha Ziani. Il n'y a personne. Il n'y a personne aussi pour lui. On va mettre Mbaki. Hop. Palhares ici. Voilà. Ouais, c'est bien Amada qui récupère tranquillement la balle. Ça, c'est bien joué. Allez, que va-t-il faire Amada? Il va dégager sur le côté. Non, loin devant vers Dabin. On n'est pas au second ballon. Hein. On n'y est pas au second ballon. Attention à Kinkela. Kinkela. Ça se referme bien devant lui, mais il a réussi à centrer et but de Fatrisaki. Et tout, attention. Tout est relancé là avec ce but. Opportuniste hein, dans la surface, Fatrisaki. Il pousse le ballon au fond des filets.
On va se calmer. On va se calmer, les gars. Et on commence à faire de l'huile. On commence à avoir un petit peu peur. Jacob avec le ballon. On essaie de faire des changements. On essaie de faire des changements qui peuvent amener des choses. Mbaki. Mbaki. La passe pour Dabin. Dabin qui s'excentre un petit peu. Que va-t-il faire? Le retrait. Vrignon. Oui. Alain Pierre Mendy. Oui, monsieur. Important celui-là. Hein. Oh oui, important, il fait du bien. Oh, il fait du bien. Et Bergerac qui mène toujours à 0. Dommage, dommage. Hein, on aimerait bien un petit faux pas de Bergerac pour repasser devant eux. De toute façon, on aura l'occasion de les jouer bientôt, je crois. Dans 2-3 matchs, on les joue. On pourra aussi profiter de ce moment-là pour leur repasser devant. Hein. Allez, Mendy, Baki, Baki qui écarte sur Babousset. C'est bien joué, ça. Hein. C'est pas mal joué. Babousset qui va provoquer. Est-ce qu'il va jouer en retrait? Est-ce qu'il va centrer? Le retrait qui est mal donné, mais ça arrive quand même dans les pieds de Paliares. La frappe, le poteau. Et Axel Dabin, 20e but de la saison, qui rôdait, qui vient la pousser au fond. Allez, ça fait 4-1. 4-1, let's go, let's go. Attention, coup franc dangereux, peut-être de gâche. Est-ce qu'il va le gâcher ce coup de pied arrêté? La barre, la barre. Trouvé par gâche. Il reste plus beaucoup de temps. Allez, conserver l'avantage là. Et Bergerac qui plie l'affaire. 3-0. En fin de match. Très bien. Très bien, très bien. Bah écoutez, tant mieux, on reprend nos distances avec les Herbiers. Et par contre, Bergerac, du coup, bah voilà, hein, Bergerac, toujours premier. L'efficacité fait la différence, c'est bien. Ça nous arrive pas tout le temps d'être efficace, donc autant en profiter quand ça nous arrive. Eh bien écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais sauvegarder la partie. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Comme d'habitude, hein, c'était un immense plaisir de la faire pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager, tout ça, tout ça. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite. Le championnat, le championnat, le championnat là. Ben voilà, faut se remettre dedans. Concentré jusqu'au bout, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 matchs de championnat à jouer pour espérer trouver, choper une montée. Alors je vous attends demain. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao.